Alors, l'association Emploi Service a été créée il y a près de 25 ans maintenant, en 1995. Et donc, l'association est ce qu'on appelle une association intermédiaire. Elle a pour vocation des missions qui ne demandent pas de compétences particulières, alors afin que les gens qui sont demandeurs d'emploi retrouvent un rythme de travail, le chemin de l'emploi, avec comme moyen la formation et de sortir du dispositif d'insertion. Emploi Service pour 2018 a battu un record, on a dépassé les 25 000 heures. Et on a fait travailler près de 140 personnes sur l'ensemble du territoire. Donc pour nous, le territoire, c'est le canton de Vic-sur-Aisne, avec à peu près autant de donneurs d'ordre, donc de clients en quelque sorte, qui sont des particuliers, des entreprises, des artisans, des collectivités. L'année 2019 s'annonce, elle aussi, excellente. Tout s'annonce bien pour le moment. On espère qu'une chose, c'est que les choses durent le plus longtemps possible. Non, je ne pense pas que les élections aient eu un impact sur l'activité de l'association. Ce qu'on sait actuellement, c'est que le conseil départemental de l'Aisne ne finance pas les associations intermédiaires. Ce financement d'argent public représente à peine 5% de l'ensemble des ressources de l'association. Président un jour, président toujours ? Ah, certainement pas. J'ai annoncé lors de la dernière assemblée générale, je suis en train de travailler et de réfléchir, trouver un successeur. Je suis absolument convaincu qu'on ne rend pas service aux structures en restant trop longtemps dans des postes à responsabilité.